Alors, dans les années 60, peut-être l'année de l'espace, les années 60, aussi fini dans du monde qui émigré. Alors, pour moi, ça mène premier du monde que, d'après moi, ici dans Melbourne, il y a du monde comme Ademar aussi, Joe Castel, M. Hugo Lévesque, Salomon Raffo, les Meuniers, ou bien Colbert Ritier de la ferme. Alors là, je vais faire une petite parenthèse pour dire que, avant l'indépendance, Ben Rodriguez, comme c'est Mauricien, c'est encore un passeport britannique. Alors, il n'est pas si facile pour se rendre en Australie avec votre passeport britannique. Pas si besoin d'un visa, pas si besoin d'une complication. Et ce qui est plus important, ça mène du monde qui est émigré, ça l'époque là, si vous payez comme ça, mène du monde qui m'a mentionné là, mène du monde sorti la ferme, mène du monde sorti pour Mathurin, les Roussis, les Hittiers, les Meuniers, je t'y de teint clair, je t'y blanc. Et je te rappelle que ça l'époque là, c'est encore une arrêté White Australian Policy. Alors, ben, du monde, tu rentres dans ici, comme ben, du monde clair. Peut-être que je sortis Rodrigue, une cause de ben européen. Et dans quelques années après, bien sûr, ça nous connaît, ça, la Maurice commence à l'exode, qu'on appelle l'exode de Maurice, les créoles de Maurice, l'exode de la peur de l'indépendance. Et Ben Rodrigue aussi rentre dans ça, la foulée, là. Et je vous rappelle aussi que, ben, émigré dans les années 70, etc., late 60s, 70, il vient dans un grand bateau. Un grand bateau comme Patrice, Galiléo, Galilée, tout ça là. Et, bah, on met ben du monde qui vient dans le bateau, nous, on est ben Rousti, ben Meunier, Silvio Meunier, etc., Zaclain Capdo de Sydney, etc. Bon, là, dans l'analyse de son nom, c'est l'exode. Ben Rodriguez aussi rentre dans la foulée comme Ben Mauricien, dit tout créole, puis que Maurice peut aller. Nous aussi, Ben Zon de couleur, tout éclair Rodriguez, nous commençons à aller. Mais c'était pas une masse, c'était pas une masse d'émigration, vraiment. Hein? Mais après ça, l'émigration a quand même continué. C'est après l'indépendance. Ouais, mais l'indépendance, il y a un petit intellectuel, un petit professeur, commence à faire des morts, il y a une Australie, etc. Et ça, il continue. Peut-être, là, dire, la grande masse qui nous est ici, l'âge des Rodriguez, et si nous faisons des tours dans le club Rodriguez, nous avons un petit peu de profil, ça vient du monde, c'est la majorité de ça vient du monde, il arrive ici dans les années 70, et donc il a depuis 40, 45 ans. Après ça, peut-être il y a une petite pause, et il y a une émigration plutôt sporadique depuis Rodriguez. Et toujours est-il que ben du monde qui peut émigrer d'Australie, c'est ben du monde de Beauzuit, de Port-Mathurin, de la ferme, ben du monde de Tinclair. Et ça, ben, il y a aussi qu'il, ben Rodriguez qui est établi ici, il y a le marié, Rodriguez, et puis il amène cette madame ici. Bon, après ça, il y a une pause encore, des Rodriguez là, goutte à goutte, il y a une émigration goutte à goutte, ben du monde comme moi, c'est peut-être 10 mois tout seul, comme Rodriguez sur avion, etc. Alors qu'avant, il y a peut-être 5, 6, 50, 60, Rodriguez peut venir en même temps. Et puis, là, nous fait un petit saut en avant pour dire que dans les années 2000, nous avons gagné un autre type d'émigration à partir de Rodriguez. Et là, c'était des étudiants. Beaucoup étudiants Rodriguez, parce que là, l'école commence à évoluer dans Rodriguez, ben, elle commence à gagner HSI, après une fait HSI, et donc il y a l'Université Maurice, et donc c'est qu'il y a dans notre famille ici, il vient étudier dans l'Australie. Et c'est important pour dire que pas mal de ces Rodriguez, qui sont étudiants qui viennent ici, la plupart, peut-être 80%, ils restaient. Je dis dans bon job et non qui à quantette et non chef et non nurse et non dans bon beau poste mais non enseignant dans l'école primaire secondaire. Mais pour comprendre cette diaspora rodriguez en Australie, nous visitons un coup Clive Rodriguez et là qu'il nous trouve Ben Rodriguez dans notre ensemble et comment être solidaire ensemble et comment être rejoindre. This club started in 1995 with only a few members. And our locale was here, the little hall next door, that's where we used to meet. And then after a few years, we got a donation from one of our members. Her name was Linda Casey. She gave us a sum of money. And from there, we had a little bit of money in bank, not much. And we were able to build the clubhouse, and a lot of you have been. It's been very.